cible est éliminée. J'autorise l'envoi d'un drone. Drone en attente d'ordre. Menace détruite. Drone de brouillage en attente d'ordre. Drone de brouillage. C'est fini. Oh là là, mais le massacre que je suis en train de leur faire. Peuvent changer l'issue d'une guerre. Votre drone de brouillage a été détruit. Oh là 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 là. J'ai plus de mun. Désolé, désolé. Désolé. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 concernant l'ICR, les vols de sang du marché noir. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à bombarder cette barre de like, voilà, pour le petit gameplay, voilà, le petit enchaînement que je vous ai proposé via l'arme que j'ai réussi à avoir, enfin que j'ai réussi, c'est grâce à une personne en particulier qui m'a prêté son compte et j'ai pu tester ça. Alors certaines personnes vont dire mais comment ça se fait que tu puisses déjà jouer là-dessus, etc, etc, ça je vais en revenir un peu plus tard. Niveau des likes, faites péter la barre des likes, 1000 likes, let's go, montrer du gameplay, etc, même pour le petit clip du début, voilà, franchement, et niveau gameplay, ouais, je vous ai mis une petite nucléaire. Bon, on se retrouve pour le nouveau et le dernier des camouflages possibles à débloquer dans le marché noir. Les vols de sang qui ressemblent énormément à un camouflage un peu Halloween, un peu sataniste. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est un peu sataniste. Vous allez comprendre après, tout simplement avec l'extrait que je vous ai montré avant, auquel j'ai pu jouer un petit moment. Et ensuite, justement, vous allez voir que le camouflage va évoluer. Il va être un peu différent de ce qu'il est d'habitude. Il va être un peu plus sombre, un peu plus en mode enfer. Vous allez voir justement quand il va changer, il va devenir beaucoup plus rouge et tout. Et je trouve le camouflage mais tellement magique. Alors oui, comme je l'ai dit, j'ai pu aller sur un compte qui était glitché, c'est-à-dire que quelqu'un a fait un glitch pour qu'il puisse avoir ces armes-là. Moi, je vais absolument pas le faire et je vais absolument pas vous expliquer comment le faire parce que je veux que vous galériez autant que moi pour avoir ce camouflage-là. Je vous jure, j'ai trop envie que vous galériez autant que moi. Oh là là, on va avoir, on a de la peine niveau commentaire aujourd'hui. Enfin bref. Et en plus, par rapport à ça, au niveau du marché noir, j'ai pu également tester la GKS, qui est plutôt assez sympathique. Voilà, c'est plutôt assez sympathique. Le viseur ressemble énormément à une arme de MW3, que je ne me souviens plus du tout le nom. Mais franchement, l'arme, l'ICR, la variante, elle en vaut énormément la peine. D'ailleurs, pour ceux qui veulent monter plus rapidement leur compte, bah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein, et oui, c'est des astuces totalement bêtes. Et je pense que quand vous allez regarder la vidéo, vous allez dire « Ouais, mais c'est un peu débile. » Mais finalement, c'est vraiment comme ça qu'on monte, je veux dire. Certaines personnes qui avaient pris de l'avance, bah finalement je faisais beaucoup plus de kills qu'eux, bah finalement c'est monté beaucoup plus haut par rapport à eux, donc oui c'est un peu bête comme astuce, mais finalement il n'y a rien de particulier à faire en fait, hein, pour vraiment faire des niveaux plus facilement dans les paliers du marché noir, et franchement ça me donne tellement envie de grind ce marché noir, j'ai tellement envie de le grind d'une puissance pour avoir ce camouflage là. Alors certains vont dire ouais c'est l'ICR, etc, etc, oui effectivement, mais je veux dire le camouflage est tellement beau que franchement j'ai envie de me la donner, j'ai envie de me la donner pour l'avoir ce camouflage là, et c'est plutôt assez cool de se dire qu'on va pouvoir avoir ce camouflage là à force de jouer et non forcément en train de payer, parce que oui certainement certaines personnes peut-être mettaient juste 2 balles et avaient le camouflage, et des personnes qui mettaient 50 balles et n'avaient même pas le camouflage là. Donc finalement va falloir monter les paliers pour obtenir ce magnifique camouflage que je vous recommande. Les défis sont toujours les mêmes, d'ailleurs il y a toujours un peu le camouflage réactif. Et après, l'autre camouflage, le camouflage réactif, en fait, c'est des têtes de mort. C'est plutôt assez sympathique, d'ailleurs. Hein. C'est une sorte de tête de mort. Et le deuxième, en l'occurrence, c'est celui que je vous ai montré, le camouflage Halloween. C'est à peu près la même chose, donc certainement... Ah non, dans mon souvenir, voilà, je vais vous dire. Le premier camouflage réactif, c'est faire 5 tirs dans la tête. Et l'autre, c'est réaliser des sanguinaires pour que le camouflage soit débloqué. Voilà, de nouveau, c'est plutôt assez sympa dessus. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu avec un petit gameplay exclusif. J'ai pu rester que une heure sur le compte, malheureusement, pour vous en faire une vidéo. Et je trouvais ça plutôt assez sympathique de commencer la vidéo ainsi avec le clip et tout, etc. Donc cette arme-là est seulement disponible à partir du level 200. Et j'ai réussi à le débloquer que grâce à un glitch en résumé. Et puis voilà, je ne vais pas vous montrer le glitch. Enfin bref les gens, c'était l'Octetou. Puis moi je vous dis bye et à la prochaine. Peace out.